Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode 16 d'Unfamous, donc j'espère que je vais un petit peu mieux réussir que la dernière fois parce que la reprise a été plutôt compliquée. Mais bon, il n'y a pas de raison. On va voir ça de suite de toute façon, on va voir ce que je vous là-dessus. Surtout que là je suis vraiment très proche de la fin. Oh Reggie, je suis désolé. Tu le savais, tu m'avais dit de pas faire confiance à Hank. Je t'ai pas écouté. Je te promets, cette espèce d'enfoiré va nous payer. Où est Hank Dautry? Je sais qu'il a fait un deal avec Augustine. Ah ouais, d'accord, putain, ça commence bien. Eh ouais, je vais avoir tout le DUP au cul maintenant. Alors j'imagine que pour Hank, je vais encore avoir le choix de choisir côté maléfique et bénéfique. Enfin, côté héros, quoi. Donc bon bah moi je vais continuer hein, sur ce que je vous avais dit, hein, je vais essayer d'avoir le niveau maximum sur le héros. Donc on verra bien ce qui se passera. Hein. Putain, y'a du monde encore là, bordel, c'est pas vrai, putain, mais hey, je vais... Il faut pas commencer déjà à m'allumer la gueule dès le début, hein, je vous le dis. On va y aller au corps à corps, hein, ça continue. C'est une chie en plus, hein. Ah non, putain, pas les snipers, putain. Oh, je les supporte pas, eux. Aïe, 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 putain, je me fous dedans, là. Je suis en train de me foutre dedans. Faut que je me barre, là, faut que je me barre. Bon. Putain, en plus, avec leur mur de merde, là, putain, comme ils sont costauds, quoi. C'est un truc de fou. Allez, deux de moi. Allez, maintenant, les snipers. Ah, oh, putain. Ça m'aurait étonné. Je le vise, il se barre. Les petites salopards des merdes. Ah, puis eux, ils sont chiants avec leur fusil. Hein, parce que quand ils vous tirent dessus, ils vous loupent pas. Hein. En plus, ils font mal, ceux-là. Ça aurait été bien, j'ai un autre pouvoir par contre, parce que le pouvoir du feu, c'est pas super pratique pour monter sur les toits là. Parce que si j'avais pu monter sur le toit d'en face, pour allumer le mec, ça aurait été pas mal. Mais apparemment, ils ne veulent pas. Oh là là, les trucs que je me prends dans la gueule. C'est trop. Il faudrait le pouvoir de la vidéo, comme ça je pourrais m'envoler. Ou voir le pouvoir du néon. C'est vrai que je pouvais courir de façon illimitée avec le pouvoir du néon. Bon, déjà je suis pas mort, c'est déjà ça. Je vais pas trop me plaindre. Mais font chier à sauter comme ça là, putain, ils veulent pas s'arrêter deux secondes là. Bon, vous allez me dire après, c'est sûr que le mec il va pas être là. Bon bah je m'arrête deux secondes, tu vises. Je comprends. J'avais oublié que je pouvais passer par les petits sas. Sur le toit j'ai peut-être trouvé un pouvoir de vidéo. Et bah, il y en a juste en dessous. Attendez, je vais éliminer mon truc là un peu là. Oh. J'ai peut-être fait le con. Putain, en plus, je croyais qu'il me restait des missiles, mais en fait, non, c'est pour ça, en fait, je voulais utiliser le pouvoir de la vidéo après. Mais bon. Petit coup de chaîne de vélo dans les gencives. Ça leur apprendra un petit peu à vivre. Allez, c'est bon. J'aurais dû regarder un vivant pour répondre aux questions. Rien à foutre des questions. C'est au moins qu'il est vivant. J'ai plus qu'à le trouver. Alors. Attends, il m'avait appelé. Son numéro doit être dans le journal des appels. Bingo. Alors, est-ce qu'elle a dès un bâtiment à utiliser le téléphone pour localiser? Ouais, d'accord. Mais j'aurais voulu de la vidéo. Ah, il y en a là. Il y a de la petite vidéo. Bah, comme ça sera plus facile pour grimper sur les immeubles, parce qu'avec le feu, le problème qu'il y a, c'est qu'on peut planer, mais on peut pas voler.
Et on peut pas faire des sauts super hauts et je suis obligé de passer par ces fameux conduits d'aération. Celui-là et pas vous. On est en route. Il fallait gérer votre transport à la marina. Qu'est-ce que le DUP vient foutre ici avec Hank? Bon, je capte plus rien. Pas trop de réseau dans le coin, les mecs, hein. Putain de merde, j'aurais jamais dû vous faire confiance. Vous êtes où, bordel? Nous avons une complication. Restez où vous êtes. Ça arrive peut-être tard, mais votre fête à l'Atkinson a été remarquée. Bon, 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 bon. Par contre, c'est vrai que ce qui est dommage dans ce jeu, quoi, c'est que les missions sont vraiment redondantes, quoi. On fait quasiment tout le temps la même chose. Moi, je trouve que le jeu est très beau, il n'y a pas de problème, quoi. C'est une putain de guerre. Mais après, le jeu en lui-même, voilà, je trouve que on fait trop souvent la même chose. Je trouve qu'il n'y a pas assez de, il y a pas assez de choses différentes. Vous me direz, bon, c'est vrai, dans les jeux en monde ouvert, c'est souvent un peu comme ça. Bon, après, graphiquement, c'est vrai qu'il claque, hein. Même si ça manque un peu de vie. Enfin, ça manque un peu de vie, ça dépend des moments. C'est quand on se balade que ça manque un peu de vie. Après, quand on se retrouve face à l'ennemi, c'est vrai qu'il y a quand même une chier de monde autour. Bon, vous voyez, là, je peux absolument rien monter. En plus, j'ai qu'un fragment. Eh oui, il m'en faut beaucoup plus. Et en plus, je pense qu'il va falloir que je devienne... il faut que je monte un niveau au-dessus, en fait, hein. Il faut que je capte le, il faut que je fasse une bonne action là. Je pense que ça va être avec lui que je vais pouvoir monter au dernier niveau. Ouais, ça refait les mêmes choses en fait, c'est un truc d'enquête, machin, etc. Putain, le bordel qu'il a foutu lui. Il s'est énervé là. Putain, si je dois me foutre sur la gueule avec lui, je pense que ça risque d'être un peu chaud le combat là quand même. Hank, t'es là? J'ai pas peur de toi, Hank, tu sais. Je parie que c'est pas... Oh là là, le monde qui arrive. Putain, là, les gros avec les armures, ils m'emmerdent, ceux-là. C'est un truc de malade. Putain. C'est chaud, 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 quoi, hein. Mais il me poursuit lui, mais c'est... En plus j'en ai deux, hein, des mecs avec les armures là, j'ai intérêt à faire gaffe parce qu'ils sont costauds. Je crois qu'ils me mettent deux baffes dans la gueule, c'est bon, je suis fini là. Merde, j'ai perdu Hank. Je vais devoir relocaliser le signal. Bioterroriste en vue. Apparemment ça se passe pas pour lui, hein. Je crois que le contrat qu'il avait fait, le pacte qu'il avait fait avec l'autre... Tenez votre promesse. Ma promesse? Enfoiré de pire terroriste. Vous avez déjà refroidi 7 de mes potes à Seattle. Je me suis promis de vous traquer et de vous buter, tas de fils de pute. Cette promesse-là, je vais la tenir. Ah ouais, d'accord, je comprends là, pourquoi il y a eu ce carnage là juste avant là. En fait, ils lui ont baisé la gueule, quoi. Ou alors ils lui ont fait un chantage ou une connerie comme ça. Enfin, je sais pas. J'ai pas eu le temps de tout suivre. Quand Augustine saura ce que vous avez fait malgré notre marché. Madame Augustine fait autant de marché qu'elle veut avec des connards de bioterroristes quand elle est dans sa tour. Mais on est plus de 1000 soldats ici. Et nous, on a faim de viande fraîche. Il faudrait un peu plus que 1000 mecs du DUP pour que tu m'échappes, Hank. C'est les dialogues aussi, les dialogues des fois de temps en temps ils me saoulent un peu, hein. Je trouve que c'est un peu bateau des fois. T'as les soldats qui disent oui on a besoin de viande fraîche, je sais pas, je trouve que ça colle pas trop avec le. Je trouve que ça colle pas trop avec le jeu en fait.
ça va être blindé encore. Oh, le bon qu'il a fait, lui. Le putain de vol plané, quoi. Oh la vache. Bon, je crois que c'est... Oh là là, putain. Et pourquoi il meurt pas, lui, avec sa mitrailleuse, là? Non, vite, vite. Faut que je me barre, je vais encore crever. Quoique, je suis pas encore mort depuis le début de la partie, là. Déjà, c'est un grand miracle. On va essayer de s'y tenir, ça serait pas mal. C'est bizarre d'ailleurs qu'il renvoie autant de trucs de DUP en renfort là, parce qu'il me semblait que dans ces quartiers là j'avais tout dégagé là. Parce que là il me complique la vie, les messieurs. En plus j'ai le truc qui a disparu, il va falloir que je refasse le truc du téléphone. Je pense que si j'en dégomme quelques-uns, j'y verrai un petit peu plus clair après. Putain de hippie de merde là, putain, il va me lâcher celui-là, putain. Non, pourquoi je me suis accroché là? Mais bouge. J'ai pas. Oh là 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 là, putain, mais en plus il me dégomme de loin, quoi. Sans déconner, ah, sous contrôle du DUP, bah ouais, 0% pourtant. Regardez-les, là, ces enfoirés, là. Oh, toi, tu vas prendre mal déjà, direct, voilà. Putain, ça serait bien qu'ils me montent mon niveau aussi, hein. Ça serait pas mal. Je lâche la gueule à tout le monde là. Hein. Mec avec parapluie, pas parapluie, on en a rien à foutre. Hein. Maintenant c'est terminé, hein, les conneries. Bon, je crois que je monte sur un immeuble. Est-ce que j'ai débarrassé tout le monde là? C'est bizarre qu'il y ait plus l'autre avec sa mitrailleuse là. Bah, écoutez, je vais en profiter pour faire le plein. Il faudrait que je draine un petit peu de ça, comme ça je pourrais monter sur les murs un peu plus rapidement. Ah, par contre, si mes souvenirs sont bons, c'est que là j'ai beaucoup de missiles, mais ils sont pas super puissants. Je sais où il est. J'ai plus qu'à le rejoindre. Ça va, le mec il veut que je monte à 10 km en hauteur pour capter son putain de réseau là. Bon, je sais qu'il est dans les parages. Il passe pas mal de son temps libre sur les toits. Ouais, là, il doit m'attendre là-haut, ou alors peut-être qu'il se fout sur la gueule avec les autres là. Putain, ouais, direct qu'il me fout face à eux, quoi. Oh là 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 là, putain. T'as les mecs qui te laissent pas de répit, quoi, c'est un truc de malade. Putain, un hélico, il manquait plus que ça. Les enfoirés. Se calme là. Je sais plus avec quoi je l'avais, l'hélico. Oh là là, les petits missiles là. Ça sent pas bon, les enfants, ça sent pas bon. Oh non, bah je vous l'avais dit, ça sentait pas bon. Bon. Inspecter les toits. Bah ouais, bah j'en venais des toits là. Putain, ils me font chier. Ah, ils sont sans pitié, les mecs, hein. Putain, en plus, mais voilà le monde qu'il y a, quoi. C'est vrai que j'ai ralenti pour le tir sur celui-là, mais le truc qu'il y a, c'est que ce tir-là, le pouvoir du néon, je vous dis, il est pas puissant, quoi. Il est pas puissant du tout. Par rapport au feu, je crois qu'il doit être deux fois moins puissant. Bon, juste un peu de concentration. Par contre, ils font chier à me mettre autant de monde dès le début, quoi. Il est définitivement pas ici. Donc ça laisse plus que toi. Oui, bah ça va, j'ai compris, je le sais qu'il faut que j'aille sur ce putain de toit là, je le sais. Bon, après c'est sûr que la courir sur les murs c'est un avantage. Je suis con aussi, alors je sais pas pourquoi j'ai pas sauté, j'aurais pu sauter et remonter après.
Oh. Non, 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 non. Putain, pourquoi il y en a toujours un qui vient me faire chier? On en a toujours un dans le dos, en fait. Les lâches. Je sais que t'es derrière, petit con, là. Putain, ah, putain, il y en a deux. Non, je croyais qu'il y en avait qu'un, moi. Tu veux te rendre, toi, mais toi, c'est trop tard. C'est mort. Mort de chez moi. Allez, l'hélico. Bon, déjà, j'ai plus fait le ménage dans l'ordre, là, ce qui fait que, normalement, je devrais pas avoir trop de soucis. Putain, pourquoi il pète pas, ce con? Quand même, hein. J'y crois pas. Ça va pourtant pas être loin. Je crois bien que je vais retenter un coup de tracker. Ah tiens. On dirait que j'ai pas besoin de votre protection en étant encore senti. Ouais, bah j'ai laissé tout un parterre de cadavres de ces gars dans le salon de la ville. Il se dirige vers la marina. Il va pas tarder à être coincé. On dirait que je vais pas tarder à revoir ce vieux Hank. Bah ouais, ça serait pas mal que je le coince là, parce qu'il me fait chier depuis tout à l'heure là. En plus, lui, à chaque fois que je l'ai rencontré, je sais pas si ça a marqué, à chaque fois c'était ça. Hein. C'était course-poursuite dans la ville, il fallait que je le recherche, que je prenne mon temps pour le chercher, machin, tout ça. Là, il commence vraiment à me gonfler un petit peu, ce, le père Hank. Alors, si vu que je continue sur la voie du héros, faut arrêter de me casser les couilles. Parce que sinon, je vais lui arracher la tête. Ah, il est là, le petit gars. Il est là. Ah, ok, d'accord. Ça s'arrête comme ça direct. Je savais pas, je te jure. Tu savais pas? Tu nous as trahis. Elle a dit qu'elle nous ferait pas de mal. Qu'elle voulait juste te parler. Et t'as gobé ses conneries? C'est une sadique de première, ok. Mais à ce que je sais, elle a jamais tué de porteur. Mon frère serait encore en vie si t'avais pas fait ça. Tenez, ma fille. Bon bah écoutez, on va l'épargner, hein. En même temps, si c'était sa fille qui était en otage, c'est un peu compréhensible ce qu'il a fait, donc... Allez, on continue sur la voie du héros. Pourquoi tu viendrais pas avec nous et disparaître? Fais gaffe à toi, Hank. J'arrive, ma chérie. On rentre à la maison. Bon, ben voilà. Bah écoutez, de toute façon, je pense qu'on se retrouvera sur la prochaine vidéo. Je pense que ça sera certainement la dernière. Ou si c'est pas la dernière, ça sera certainement l'avant-dernière. Donc, comme je vous l'ai dit, à mon avis, il reste vraiment pas grand-chose. Hein. Là, je pense que vraiment, on arrive au bout. Hein. Donc, bah voyez, se rendre à la tour du DUP et affronter Augustina. À mon avis, c'est la fin. Là. Donc, je pense qu'on se retrouvera pour peut-être la dernière, peut-être pas, je sais pas. Ça dépendra combien de temps je mets pour monter la tour. Quoi. Donc, je vous dis à bientôt et je vous laisse. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. L'heure est venue de nous rendre notre ville des mains de ceux qui veulent la vie.